21-2, madame, là, c'est notre appel. Là, c'est la même chose. On descend. T'as-tu une bien identité, toi? Oui, j'ai de l'eau. Là, vous m'avez dit, oui, c'est correct. Est-ce que vous avez tous les noms? C'est lui qui l'a, ma carte. On va juste tasser un petit peu plus par ici, OK? On va tout mettre ensemble. Là. OK. C'est vous, monsieur, qui vous a plaint? Il y a quatre questions de travail. Les deux gars, they start a fight. Yeah. And they were beating the hell out of each other. That's okay. Why I called. That's why you called? Yeah. Not because they're here in the corner and doing the squeezing. I called in the before. Because what time? They were here about like 15 minutes ago. And then they started having a fight. And which ones were fighting, sir? The tall guy and the other guy. These two guys. The one with the hood on his head and the one with the hood on his head here? Okay, they were fighting. Do you know the reason why they were fighting? I think they were talking about territory. One wants us to be here and the other guy wanted to be here. But they wanted to be in the same corner. Okay. Yes. Remember the summer when they broke your window? Yes. Do you remember which ones it was? Is any of these ones? No, I because I didn't see which part. Yeah, but the ones who said like you didn't understand the message. No, it wasn't these ones. You haven't seen them again? This guy that long one. It was with the long bits. It's not this guy. I know that guy. But I haven't seen him. You haven't seen him? No. Because I think what has done, I've seen him on St. Cat's Ministry. He's changed? He's moved down the street. Good idea, right? Okay. Go back in your restaurant, I'll go see you after, okay? I gotta go. You finished? Yeah. Okay, thank you very much, sir. Bah. Bonjour. Bonjour. Il se plaignait même pas de ça. Non, mais lui, il fait une plainte à chaque fois. Tu sais, que je disais, c'est pas la première fois que je le vois. Non, là. Non, c'est pas d'habitude, vrai. D'habitude, je viens pas quand il est là, parce qu'il est pas là le soir, tu sais. Ben, c'est pas pour ça qu'il se plaignait. Non, il se battait tantôt, là. Il y a un problème, là, je sais pas ben quoi. Ben oui, ben, je sais pas quoi. Vous êtes en train de vous battre tantôt. C'est ça qui se battait. On ben, se bat pas pour laver une vitre, voyons donc. Mais c'est qui qui se battait d'abord? Je sais pas, je crois que personne se bat. T'es sûr, là, ça? Ouais. C'est ce que je te dis. C'est pas juste une personne qui dit que vous se battiez tantôt. Non, mais moi, hein? Ce que je disais, c'est que lui, il fait tout le temps des plaintes à cause qu'on mais fait de l'argent ici. Puis la dernière vous avez fois, pas il commençait droit à dire faire. Que le monde allait dans les toilettes pour se shooter, puis bli, puis bla. Ben, il y en avait aussi 10 ans partout, c'est mieux. J'ai jamais vu ça dans les toilettes. Mais il y en avait. Moi, je l'ai vu ça. Peut-être, mais tu sais, c'est pas une raison qu'à chaque fois que quelqu'un vient ici, tu peux c'est checker mes bras, un bord ben ou oui, mais l'autre. Il moi, j'en ai pas à chaque fois. Encore une fois, lui, il était là, puis la police est là. Ben oui, il a appelé ce soir. Non, non, c'est pas une droit de bizarre de coïncidence, pas du tout. Quand je viens ici, je regarde, parce que lui, il y a une BMW, puis quand la BMW, d'habitude, est là, moi, je viens pas ici, parce que je sais. Ce soir, il a appelé parce qu'il y avait un bagarre en face, et c'est sur le coin. Pourquoi vous êtes ici tant que ça? Pour faire la promotion d'une émission de TV. Sûrement. Ben, sûrement. Justement, moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Mais ça sert à rien de me plaindre, parce que je l'ai déjà dit, c'est la loi, vous avez enfreint la loi, ça va passer si ça vous tente, mais... Moi, personne, je suis très heureuse de voir de ce qui se passe. On les a supportés tout l'été. Puis ici, là, on a au coin de la rue une grosse crie. On est 20 années de la voix. Les autres sont là constamment. Moi, comme citoyenne, moi, j'approuve les policiers. Vous êtes des anarchiques, vous ne voulez pas respecter les règlements de la ville. C'est votre choix. Ça, c'est un mais nouveau nous, règlement, les citoyens, madame. On veut des règlements. On veut pas de drogue. On veut pas de gens qui couchent dans la rue. Vous avez un bunker. On vous paye des tas d'affaires. Moi, on vous paye des repas gratuits. Et vous refusez d'y aller. Quand vous demandez de l'argent, c'est la majorité pour consommer de la drogue. Alors, arrivez de nous pas des soins. Moi, j'habite le quartier. J'ai nettoyé le carré Saint-Louis et là, je m'occupe du quartier. À chaque comme fois que je viens laver ma vitre, si, là, je ramasse mes bouteilles et je vais le porter dans la poubelle que là. Moi, je regarde les voitures. Je vais porter mon sac là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui font c'est pas ça. Il y en a qui jettent leur sein. Moi, je fais mon affaire proprement. C'est un règlement municipal et moi, j'habite au coin et je regarde les voitures. Ils vous disent parce que toujours non maintenant. Les gens sont écœurés de se faire déranger. Moi, j'ai vu des soirs, là, un gars gelé pissou, là, il tombait presque à terre. Là, il était tellement dangereux pour lui. Et ce qu'on vous laisse vivre, les jeunes, là, c'est effrayant. Moi, je ne laisserais même pas mon chien dans la rue comme ça. Et on vous laisse dormir dans la rue, on vous laisse devenir stone, consommer de la drogue.
Et ça, là, faut qu'on s'occupe des jeunes et qu'on vous aide à vivre et non pas à faire ce que vous faites actuellement. Soyez 5 chars de police, puis c'est très bien. En passant en TV ou whatever, que c'est bien pour nous autres là-dedans. On est tanné de pouvoir traîner des rues. On est tanné de pouvoir traîner des rues. C'est quoi le bunker exactement pour le bénéfice des téléspectateurs? C'est un refuge pour les jeunes qui sont dans la rue. Les jeunes, je pense, de n'importe quel âge, là, jusqu'à 20 quelques années. Ils ont le droit de dormir, ils ont des repas, puis ils dorment pas tout le mois. Ils peuvent dormir quelques jours. C'est des intervenants qui sont là pour les aider, pour ceux qui sont des enfants battus, des personnes avec des problèmes de drogue ou alcool, peu importe. Ils sont là pour les diriger, les jeunes ou les centres qui peuvent aller. Il y a aussi le phénomène que il y a beaucoup d'organismes qui veulent aider les jeunes dans la rue. C'est bien, dans le fond. Mais les jeunes, maintenant, ils ont tellement d'organismes qu'ils trouvent ça fun d'être dans la rue. Ils n'ont pas de problème comme tel. Il y a des personnes qui viennent porter le manger durant la journée, en telle heure et telle heure, à tel coin de rue, tel coin de rue. Ils ont des places à se coucher s'il fait trop froid, il fait pas beau. Il y a des places qui vont donner du linge, des sacs à couchage. Donc, dans le fond, là, c'est quasiment un thrill d'être dans la rue maintenant. Là. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes là, que c'était la place cet été d'être dans le parc Berry ou dans le Place Pasteur. Parce que tout le monde disait « Ah, c'est fun, on se rassemble là, on fait qu'est-ce qu'on veut. » Dans le fond, c'est quasiment bien d'être dans la rue. Donc, il y a une attirance vers ça. C'est Éric Vecchio, ma partenaire nous a laissé pour la soirée. Elle avait une sortie prévue, donc elle a pris la demi-soirée en congé. Et moi, je suis avec Éric Vecchio pour le restant de la soirée. Le policier qui a combien de temps? J'ai 8 ans. 8 ans de service, puis 5 ans au centre-ville, là, au 33, au 21. Salut! Ça va bien? Oui. Sortez-vous à l'instant? Est-ce que vous sortez à l'instant? Vous n'avez pas vu personne en arrière? Ça boit? Il y en a-tu qui fait des graffitis en arrière? Avez-vous la clé pour rentrer? OK. Puis c'est où, ça, qui sont? En bas? Dans les marches? Salut! Ça va bien? Ça va, ça va? Restez-vous aussi? Mon Dieu, il y a un party? Non. Je sais pas si vous restez ici? Non. Qui reste ici, là-bas? C'est lui, demeure ici. C'est qui, ça? Puis l'autre, moi? L'autre bouteille, c'était qui? La bouteille de vin, c'était un grec. OK. Bon. Vous avez quel âge? 17. Là, pour l'instant, là, vous n'avez pas le droit de boire ici non plus. Okay. Vous ne pouvez pas attendre ici à l'intérieur. Votre ami. Même vous... si il y a un ami qui habite là. Ben là, rentrez chez lui. OK. Non, mais on attend. Ça fait longtemps qu'on attend, là aussi. Pardon? Ça fait longtemps qu'on attend. Ben, rentre chez lui. Non, mais je ne sais pas ce qu'il est. Parce qu'il a dit que je reviens, puis il dit j'ai pas. Vous savez pas où il habite? Non. C'est ça l'affaire, c'est le plus pire. Vous ne pouvez pas rester ici dans ce temps-là. On va aller dehors. Mm-hmm. On va aller dehors ensemble. Puis les graffitis, c'est pas vous qui avez fait ça, je pense? Non. C'était là quand vous êtes arrivé? On vient du cégep. Quel cégep tu vas? Moi, je vais Dawson aussi. Tout le monde à Dawson? Non. Hein? Sauf elle. Toi, tu vas où? Centre jeunesse. Au centre jeunesse? T'as-tu une pièce d'identité? Non. Non? T'as pas de pièce d'identité du tout? Es-tu fâché avec nous autres? Non. Parfait. Une chance? Non, je suis normale, t'sais. T'es normale, ça? Ben oui. Une telle minute. On va aller dehors. C'est à vous, ça? Ça, c'est à vous? Oui. Hé, hey, la grande. Ici. C'est quoi ton nom, toi? Qui ça, moi? Oui. Ah,
Hey, elle est où la caméra? Comme ça, juste pour savoir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Rien, je l'écris dans mon calepin, c'est tout. Ta date de naissance? Oui. 1980. 80. Ouais. OK. C'est beau. C'est beau, les boys. Okay. On va voir. Elle vient d'un centre d'accueil. Hein. Oui. Belle attitude. De choses, as-tu vu? Il l'a laissé là, hein? Qui ça? Le Discman, ouais. Il l'avait laissé là. Appartement 303. Et l'appel vient de là? Ouais. Ben, ça doit être ici, le problème. Ouais. Venez, ça, monsieur. Bonsoir. Qui est le responsable ici ce soir? Comment commence là? Ici? Ils sont où, sur le toit? Pardon? Oui, parce que c'est des résidences. Il y a des résidences. Il y a des résidences juste en arrière. Les autres payent une fortune en loyer puis vous voulez dormir. Bonsoir. Va bien? Vous êtes le responsable ici? Oui. Et nous autres, on a une plainte de bruit? Oui, on a des chevrons. Il est 10h30. Est-ce que vous avez un permis? Oui, j'ai un permis. Est-ce que vous l'avez? Il est en bas. C'est pas jusqu'à 11h le soir. Mais... Il nous fait un documentaire sur la police. Il faut pas qu'on ait l'autorisation, si on n'est pas consentant, nous autres. Bien, il montre pas votre visage du tout. OK. Le permis est dans la vitrine en bas. Oui, il est parlé de démolition, tout ça, tout en bas. Tout est là. On est en règle. On est en règle pour ça. On est en règle. Tout le monde est en règle. C'est normal qu'il y ait des plaintes, là, mais on a le 2 jusqu'à 11h. Il n'y a pas de trop de ça en bas, là. Oui. Bien, là, vous voulez montrer tout ce qui sont dans l'air. Oui, c'est dans la vitrine en bas. Il est parmi de... Tu vois-tu? Ouais. Ça, c'est là, toi? On va checker sur le... dans les règlements municipaux. Il n'y a pas d'air marqué dessus. Les actions de travaux, tout ça. Bien, vous avez permis, mais le permis stipule pas que vous avez le droit jusqu'à 11 heures. Écoutez, nous, c'est ce qu'ils nous ont dit, là. Parce qu'en matière de bruit... Oui, oui. C'est parce qu'en matière de bruit, ouais. Là, à 11 heures, tu peux pas faire de bruit. Non, ça, je le comprends, ça, moi. C'est la même chose de la construction normale, là. Ouais. Si vous faites un édifice, là, ouais. À 11 heures, vous pouvez pas commencer à donner des coups de marteau. Jusqu'à 10 heures. Mais c'est ça qu'on va vérifier. Oui, écoute, c'est ce que nous avons répondu, je vous avais d'arranger nos permis pour les containers, cette affaire-là. Ah oui, mais là, on ne parle pas du permis du container, on parle du permis de démolition. Oui, oui. Vos permis de démolition, c'est du chargement qu'on fait. Bien, du chargement. Juste que le chargement, il part du 8e du top. Là. Ah oui, mais avec une chute. On va vérifier. On va checker ça. Si d'après vous autres, là, qu'on est obligé d'arrêter tout à l'heure, on va attendre de savoir tout de suite, ça comme ça, bien, on n'ira pas plus tard. Mm-hmm. Try, like I said, règlement 270, article 1859.
c'est la ville de Montréal qui vous répond ça? Il a raison, on va aller aviser la madame. OK. OK, merci beaucoup. Thanks a lot. Bye. Non, c'est jusqu'à 23 heures. C'est 3434 qui dit ça? 3434 qui me dit. Bon, ben, monsieur, jusqu'à 23 heures, vous avez le droit. Ouais. Fait que jusqu'à 23, vous avez le droit de faire du bruit. Après 23, vous n'avez plus le droit. Mais là, okay. C'est de fermer à 23 heures, par exemple. Hein? Oui. Pas de problème. On avait contacté la ville de Montréal. Et effectivement, ils ont le droit de faire ça jusqu'à 11 heures ce soir. À tous les soirs jusqu'à 11 heures. Jusqu'à 11 heures le soir, oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous, on ne peut rien faire jusqu'à 11 heures. Après 11 heures, on peut y mettre des billets. Oui, ils sont supposés tout fermer à 11 heures. Ils sont bien avisés. D'accord, monsieur? Bonsoir.